Irène Van Zeeland à l'initiative de 2024 Pulsation, qui est une commande impulsée par Harmonie Mutuelle, le groupe Vive, d'une création inclusive, participative, qui traite des différences au sens noble du terme. Et ce projet, au sens large du terme, est aussi la volonté d'impulser ce que j'ai vécu à l'international au niveau des différences et d'essayer de le faire venir en France. C'est vrai qu'en France, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus proche de la danse-thérapie, de la dramathérapie, plutôt que d'une production exclusivement artistique et inclusive. Et la volonté de 2024 Pulsation, c'est vraiment d'être au cœur même de la création participative, et de mettre vraiment les différences au cœur de l'action et de créer en fait une création commune et collective avec l'art au premier plan. Je m'appelle Irène Van Zeeland et je suis le chorégraphe du projet 2024 Pulsation, co-construit avec la danseuse Magali Sabi. Quand j'ai commencé à travailler avec Magali, on a très vite commencé à parler de ce projet, cette idée qui est née d'une idée de travailler avec les valeurs des Jeux Olympiques et qui est soutenue par Harmonie Mutuelle et Anigra El Duende, bien évidemment. Et on a vite fait trouver des choses très intéressantes dans les valeurs des Jeux Olympiques qu'on pouvait intégrer dans un spectacle de la danse inclusive. J'aime bien le partage en général avec les personnes et je trouve ça une super bonne idée d'inclure les personnes que généralement on refuse dans ce milieu et qu'on puisse danser et partager tous ensemble la danse. Je suis hémiplégique de naissance, j'ai été victime d'un AVC in utero et je fais de l'épilepsie partielle. Et je danse depuis l'âge de 6 ans, ça fait plus de 10 ans que je pratique la danse contemporaine. J'ai fait du jazz et du classique un petit peu auprès de Patrick Dupont. Et aujourd'hui, je compte en pratiquer mon métier parce que je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit alors qu'on est handicapé. On a tout à fait le droit de danser malgré les handicaps, de faire des métiers pas adaptés, c'est pas grave, on adapte comme on peut. Et je suis en train de créer mon premier solo où je raconte mon histoire et je dis clairement aux gens, acceptez-nous tel qu'on est parce qu'une personne valide peut très bien finir en fauteuil roulant du jour au lendemain et là sa vie va changer. Moi, ce qui m'a poussée à faire partie de ce projet cette semaine, c'est déjà l'envie de danser en fait. Parce que j'aime danser, danser c'est moi, c'est tout en fait. Que quand je danse, je me sens libre. Et puis vraiment, je sors un peu de ma cage. Et vraiment, la danse, c'est... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que c'est une manière de se sentir bien et d'échapper à la vie de tous les jours. Le fait que Irène et Magali aient trouvé la magie de dépasser le handicap sur scène. Nous avons découvert ce projet à Anigra. Cherche les animaux, il y a plein d'animaux là-bas. Et ça a été une merveilleuse découverte parce que avec Irène et Magali, nous avons eu l'opportunité de participer à ce projet. Ça a été une première pour nous parce qu'on ne trouve pas souvent des endroits où on peut inclure des personnes handicapées. Et Lisa, elle s'est tellement épanouie depuis qu'elle a commencé ses cours au Carreau du Temple et qui se sent finalisée avec ce projet merveilleux de spectacle à présenter à la famille en public. Je voyais les personnes danser. Moi, je n'avais pas encore une relation, une rencontre plus directe avec des personnes qui soient, je ne sais pas si c'est autisme, mais dans ce type de handicap qui est très différent du mien et dans lequel il n'y a pas
un système de communication comme dans, avec toutes les autres personnes. Ça me provoque énormément d'émotions avec eux, de découvrir des personnes, des nouveaux corps, des nouvelles manières d'apprendre ou de communiquer. Voilà. Je m'appelle Ulysse. Je suis étudiant et aussi bibliothécaire stagiaire. Ulysse, est-ce que tu aimes danser? Est-ce que ça te plaît de danser? Oui. 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 I used to work with people that were disabled in high school, and it's been a very, very long time since I've been able to include myself in a very inclusive environment. And this program was kind of like a friendly reminder of what dance should be. And it's really just about passion and having fun and meeting new people and being able to make new connections. Il y a beaucoup d'entraide parce que moi je démarre et il y a des choses que j'avais des difficultés à faire. Et les personnes sont venues vers moi, que ce soit les chorégraphes ou même des danseurs qui m'ont montré en fait les mouvements, qui m'ont pris à part, qui ont consacré voilà, du temps pour moi. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand Dorian m'a tendu la main alors qu'elle venait d'arriver. Elle m'a dit « Bonjour Aurélie, tu es belle !» Et j'ai trouvé ça très beau. Il y a beaucoup de moments qui je garde bien au cœur. Et cette semaine-là, il y avait un petit moment avec Dorian. Elle m'a dit « Très belle fille !» C'est une chose que tu n'écoutes pas beaucoup, hein, tu n'écoutes pas tout le temps. Et aussi Emmanuel qui m'a fait un gros câlin. J'étais vraiment contente de recevoir tout le monde. Ils ont une énergie incroyable et je suis très heureuse d'être avec eux. Ça me touche, ce que j'aime, c'est participer avec eux. C'est vraiment pas un final, c'est tout. Tout le monde était tellement bienveillant dans ce projet. On a tellement collaboré pour créer un spectacle incroyablement professionnel, que ça me fait chaud au cœur de voir cette bienveillance entre les danseurs, de cette collaboration entre des personnes qui viennent des différentes directions, des différents métiers, des différents vécus. Les relations qu'on a construites avec tous les participants, avec toute l'équipe, je vais les garder avec moi pour toujours. Thank you.